Salut, mes petits Chris! J'ai fucking faim! Donc, cette semaine, je voulais savoir... Est-ce que tu m'avais dit ça? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir en quatre mots? Voici vos réponses. Mes envies suicidaires, Chris. Je te comprends, on veut tous devenir comme le chanteur de Linkin Park. Trop tôt? Non, jamais trop tôt. C'est jamais trop tôt pour ce genre de joke-là. Ma grave dépression chronique. I have crippling depression. Mon pénis enflé, c'est une érection qu'on appelle. On te l'a pas appris à l'école? Crise de cave. La culture du viol. J'écoute une UT9, esti, c'est juste ça que j'ai dans la tête, culture du viol. Je suis sûr, esti, qu'ils se violent entre eux dans l'émission. Ben oui, Chris, c'est comme ça que ça marche la prison, hein. Faut que tu fasses confiance à personne parce que tu peux voir qu'un trou, ça se fait remplir assez vite. Quand tu me regardes dans leur chambre, sur la petite chaise berçante, esti, avec une pipe, fait que toi tu te réveilles, tu vois juste des cendres qui s'allument et qui s'éteignent. What the fuck, Kev? Chut. Endors-toi. T'as l'air d'un ange. Mes flashbacks du Vietnam. Un sushi au saumon. Pas mal raciste, ça, tabarnak. Élie, Joël Legendre au parc. Moi, aussi, à chaque fois que je le vois dans un parc, j'écris, ici. C'est du temps de masturber! Sous mon lit. Qui, ça? Qui est sous ton lit? Mon historique pas effacé. Navigateur privé. Aussi simple que ça. Cancer en phase terminale. Chris, je comprends pas pourquoi ça t'empêche de dormir. Esti, dans une couple de mois, tu vas dormir pour toujours. Ouh! Ah! Oh, celle-là, esti, quand ces mots-là ont sorti de ma bouche, ça l'a fait ouf. La foi au chalet. Ah, oh, c'est toi, ça. Ma voisine, ma souffrance. Sniffer tout mon concerto. Tabarnak, hein? Toi, là, t'es... concentré rare. Mes parents qui fourrent. Moi en plus, j'ai les sur un VHS. Je les écoute à toutes les nuits avec une petite tasse de thé, une petite boîte de Kleenex, un petit popcorn, des bougies, les lumières tamisées. Ça fait ma soirée. Un petit poète. Les nouvelles vidéos porno. À un moment donné, faut que tu fasses comme moi pis t'abandonnes le projet. Y en a trop, ça sort à tous les jours. La graine de ma soeur. Ta soeur est peut-être transsexuelle, faut pas que t'as juges. Juge-la, ça colle, c'est ta soeur. Ta face de merde! Ben va chier, monsieur Riopel. Va chier. La guerre en Afrique. Le goût de violer. Ok, c'est à cause de toi que l'autre esti est pas capable de dormir à cause de la culture du viol. Une douleur anale inexplicable. C'est moi. Mon esclave qui hurle. Bon petit truc. Un petit shooter de moitié vodka, moitié lave-glace. Un guitar shot qu'on appelle. Je le recommande fortement. La construction du mur. Donald Trump qui commente mes vidéos. Je me sens esti privilégié. J'ai pas de lit. Tabarnak de pauvre. Pourquoi t'écoutes mes vidéos? Les noix de cajou. La drogue. C'est quatre mots, esti drogué. Dude, esti est parti. Ça met en vitamine. Les tits de Kev. Ben, calisse, hein? Esti, tu vas pas dormir pendant deux mois. Check ça, esti. Oh, oh, zoom, esti dans la caméra, hein? Hein, c'est pas beau ça? C'est bien un des avantages d'être un gars, c'est que je peux montrer mes tits. Désolé, mesdames, vous m'enverrez ça en Snapchat. Vivre dans une secte, tu sais jamais quand un sacrifice humain surprise va arriver. Je te comprends parfaitement. J'ai déjà passé par là. Poil pubien qui repousse. Ah, c'est pour ça que j'ai toujours dit, être une femme tronc, c'est la vie. T'as juste deux trous en dessous, pis ça finit là. Plus de poil, rien. T'as plus de jambes aussi, mais ça, si le poil n'est plus là, c'est ça qui importe. Les hosties normies. Bien dit, fils de chienne. Mon envie de chier. Je l'ai toujours dit, le meilleur moment du Moyen-Âge. C'est quand tout le monde avait des pots de maison à côté de ton lit. Tu chies, merci, bonsoir. En plus, ça donne une odeur rustique dans ta chambre. On adore ça, c'est à la mode. Richard Martineau qui bande. C'est bandé, lui. La coke du soir. C'est le matin, la coke. C'est jamais le soir. Parce que c'est ça qui arrive, t'es pas capable de dormir. Un maudit Xavier nu. Fuck you, Xavier. Pis ton corps nu. Ta mère, la chienne. Donc, cette semaine, je veux savoir, c'est quoi ton nom? Donne-moi ta meilleure réponse dans les commentaires de la vidéo YouTube. Puis la semaine prochaine, je vais prendre les meilleurs noms. Merci aussi d'avoir regardé la vidéo cette semaine. Si tu l'as apprécié, donne-lui une mention j'aime. Donne-moi ta réponse dans les commentaires. Abonne-toi à YouTube. À chaque fois, je dis aime ma page Facebook, mais je l'ai plus. Regarde-moi sur Snapchat aussi parce que je mets des conneries. Et surtout, je voulais dire... Je m'appelle Roger.